lance mon propre journal. Je te montrerai. Enfant, t'inquiète pas, j'ai tout planifié. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir notre tout nouveau et plus jeune collaborateur aux tribunes, Lee Strobel. C'est un grand plaisir pour moi de rendre honneur à l'un des nôtres pour son travail exceptionnel sur les Fort Pinto, une investigation unanimement acclamée. Lee, grâce à vous, justice a été rendue à nombre de familles à travers tout le pays. Vous avez révélé au monde ce que l'entreprise cherchait à étouffer. Je vous remets donc le Len H. Small Memorial Award pour votre exceptionnelle contribution journalistique et félicitations pour votre promotion à la rédaction des affaires judiciaires. Monsieur Cook, merci pour le prix, pour la promotion. Surtout pour la promotion. Merci beaucoup. La vérité se révèle au monde au travers des faits. Les faits sont notre plus grande arme contre la superstition, contre l'ignorance et la tyrannie. J'ai appris ces mots de mon vénéré mentor, Monsieur Ray Nelson. Merci. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Son égo, ouais, on l'applaudit. Plus fort, allez, ça c'est bon. C'est bien. Vous connaissez tous Ray. C'est une légende dans le métier. Mais pour moi, vous avez été un véritable père. Alors, merci. Merci, merci, fils. Plus important encore, je dois cette réussite à ma merveilleuse et très patiente et très enceinte épouse. Et à ma petite princesse préférée, Allison. Je vous aime plus que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Oui, ma chérie? Papa, on peut aller manger maintenant? Oui, oui, oui. À votre santé à tous. Merci beaucoup. Oh, c'est super. J'ai trouvé pasta. Non. Bah voilà, évidemment. Elle a trouvé le plus grand mot de la page. Asperge. Waouh, c'est un mot difficile. Non, pas pour une fille qui a perdu une dent. Oh, bien sûr. T'es une grande. Je suis quand même impressionnée. Oui, mais la grande fille n'a pas fini son assiette. Plus faim. T'as plus faim? C'est vrai, ça? Tu vas pas me dire que t'as faim une fois à la maison. Bon, tu pourras prendre un chewing-gum si tu manges encore un peu de pâte. Ça, c'est trop facile. Tu vois? On achète tout avec un peu de sucre. Mm-hmm. T'as avalé? Montre-moi ça. Il y a encore un peu de spaghetti là-dedans. Allez, avale. Prends ça. Vas-y. C'est bien. Tu sais quoi? Je suis très contente de moi. Ah oui? Pourquoi? J'ai épousé un écrivain à succès. C'est très impressionnant. N'est-ce pas? Je suis fière de toi. Merci. Et je t'aime. Je t'aime aussi. Toi et seulement toi. Chérie? Ali, qu'est-ce qu'il y a, bébé? Tu t'étouffes? Oui, elle s'étrangle. Ali, vas-y, tousse. Chérie, respire pour maman. Allez, Ali. Ali, s'il respire, vous plaît. Chérie. Faites-lui Ali, la fais place. Quelque chose. Je suis là, bébé. Recrache, bébé. Ça va. Aidez-nous, je vous en prie. Appelez une ambulance. Ça va aller, chérie. Regarde, papa. Allez, respire, mon ange. Ça va aller. Bébé, regarde-moi, je suis là. Je sais pas quoi. Je t'aime, bébé. Écartez-vous. Je suis infirmière. Donnez-le-moi. Ali, je t'en prie. Vite, chérie, calme-toi. Tous, bébé, tous, s'il te plaît. Vas-y, tous. Elle ne peut plus respirer. Merci, merci. Je sais pas comment vous remercier. Là, ma chérie. Merci, merci. Vous n'avez beaucoup. Pas à me remercier. Je suis infirmière à l'hôpital de la Miséricorde. Ça va aller, je vous assure. On a eu de la chance. C'est pas la chance qui l'a sauvée. C'est Jésus. Mon époux et moi, on devait aller dans un autre restaurant ce soir. Une petite voix m'a dit de venir ici. Waouh,
Merci. Leslie. Alfie. Alfie Davis. Je n'oublierai jamais ce nom. Que Dieu vous bénisse. Oh. Allez, tu respires à fond. J'aurais quand même le droit de remanger des bonbons. Oui, on verra ça. Il faut que tu dormes maintenant. Allez, princesse. Maman, c'est qui Jésus? Jésus était un grand homme, très bon et très sage. Et tu te souviens quand on t'a parlé de lui? Tu sais, quand papa et maman te lisent des histoires le soir, les contes de fées que tu aimes tant. Eh bien, croire en Dieu... C'est comme croire aux histoires, ce sont de jolis contes. Mais nous, nous sommes athées. Les athées ne croient pas en Dieu. Mais alors, en quoi ils croient? Ah, ils croient en ce qui est réel et en ce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher. Comme quoi? Oh, comme les chatouilles. Alors je crois que moi aussi je suis athée. Faut que tu dormes, ma puce. Allez. Tiens, Monsieur Nounours, et ici, Monsieur Pop. Super, dors bien, je t'aime. Papa? Oui, chérie? Bonne nuit. Bonne nuit, bébé. Il me semble qu'on avait dit qu'on ne la forcerait à rien. Elle a posé la question. Elle voulait savoir ce que nous, nous croyons. Leslie, tu veux vraiment qu'on recommence cette discussion? Je crois que c'est important, oui. Chérie, je suis très reconnaissant pour ce que cette femme a fait ce soir. Évidemment. Mais c'était une coïncidence, ça ne veut rien dire. Comment tu peux dire ça? Elle devait aller dans un autre restaurant et quelque chose l'a poussée à venir dans l'autre. Et tu crois que ça ne veut rien dire? Je sais que ça ne veut rien dire. Tu veux savoir ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aurait pu perdre Allison. Si cette femme n'avait pas été là, on l'aurait perdue. Et tout notre monde se serait écroulé. Oui, mais c'est pas le cas. Tu entends? Allison va bien. Tout le monde va bien. Salut, chef. J'aurai le temps de corriger tranquillement trois articles avec mon petit stylo rouge pendant que j'en vois un seul avec ce truc ridicule. Mon nouveau livre, je viens de le prendre à la salle du courrier. Vous voulez être le premier à le lire? Il y a un flic qui s'est fait descendre ce week-end à Englewood. Il a survécu, mais vois ce que tu me trouves sur le tireur. James X. Non, c'est un fait divers. Je suis aux affaires judiciaires maintenant. Donnez ça plutôt à Monroe. T'es peut-être un golden boy pour les huiles de là-haut, mais pour moi, t'es toujours un journal de base. Tiens. Merci. Et ne claque pas la... London? Je ne crois pas à ça. Tu veux un exemplaire dédicacé? Non, surtout pas. La jalousie te va très mal, mon ami. Rien ne te va vraiment, ceci dit. Les dépêches juridiques de la paix de cette nuit, Monsieur Strobel. Merci, Rod. Je voudrais que tu regardes dans les faits divers d'hier si quelqu'un a pas parlé d'un flic qui s'est fait descendre. Le tireur s'appelle X. James X. X. James X. Ok, j'y vais. Tu as 30 minutes. Je vais prendre le bouquin si vous le donnez toujours. London, t'entends ça? J'ai trouvé acquéreur. Il sait pas ce qu'il fait. T'iras loin dans ce métier, petit. Même si t'es un lécheur de pompe. 29 minutes, Rod. Chambre 241, lit 2. Il rentre chez lui aujourd'hui. Tu prépares la feuille de sortie, s'il te plaît. Leslie? Oui, bonjour. Alfie. Oui. Muffin? Vous savez, ça ne me quitte pas. Je n'ai pas arrêté de penser à ce qui s'est passé. Et si vous n'aviez pas été là? Il n'y a pas de si avec Dieu. Vous en êtes si sûr? Comment pouvez-vous en être sûr? Vous tenez vraiment à avoir une réponse? J'aimerais. Whose soul are you weary and troubled?
Parfois, Dieu nous parle de manière surprenante et inattendue. Ce soir, par exemple, si vous vous trouvez ici pour la première fois, je vous encourage à ouvrir votre cœur et à être à l'écoute. En cette minute même, Dieu essaie peut-être d'attirer votre attention. Croyez-moi, si votre esprit est concentré sur son murmure, vous l'entendrez. Vous le reconnaîtrez. Peut-être avez-vous peur, peut-être avez-vous des doutes. Peut-être ressentez-vous que quelque chose manque à votre vie, tout en ignorant ce que c'est. Ce n'est pas grave. Dieu est patient. Et quand vous serez prêt, je vous promets qu'il sera là, devant vous, et vous ouvrira les bras. Ça va? Ouais. Pardon d'avoir manqué le dîner. Mon nouveau boss me submerge de boulot. Je crois qu'il me punit d'avoir eu le prix. Ça a été ta journée? Ouais. Super. Agent Koblinski? Qui êtes-vous? Lee Strobel. Je suis du Chicago Tribune. Vous l'avez échappé belle, non? Voilà. Je veux faire un article sur la fusillade, l'histoire du flic héroïque, blessé en accomplissant son devoir, cet angle-là. Je ne suis pas autorisé à parler à la presse. Vous pourriez au moins me donner votre point de vue. Vous connaissez la musique, pas tant que l'enquête est en cours. Écoutez, j'ai lu le rapport. Je sais que vous avez eu une altercation avec James X. Je sais qu'il vous a tiré dessus. Mais s'il vous plaît, donnez-moi un truc qui n'est pas dans le rapport. Pourquoi il vous a tiré dessus? Je vous remercie de votre visite. Ah, très bien. Tant pis, je trouverai un autre flic héroïque pour l'interviewer. Hé, monsieur Strobel, vous voulez un sujet? Oui. Écrivez sur le fumier qui a fait ça. Débarrassez-nous de lui. Soignez-vous bien, d'accord? Nous trouvons la réponse dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 1, verset 12. Mais aux multitudes qui le recevaient, il donna le droit de devenir enfants de Dieu. Il donna ce droit à ceux qui croyaient en son nom. Qu'est-ce que cela veut dire, de ne pas seulement croire, mais recevoir? Et sur quel chemin cela nous conduit? Vous n'êtes jamais allé à l'église? Si, j'y allais quand j'étais petite. Et ma mère me chantait des cantiques. Mais avec Léon, on s'est éloigné de notre éducation. Et en quoi Lee croit-il encore? Il croit aux faits. Ah, je vois. Ça m'intéressait, mais plus encore maintenant. Avoir vu Allison l'autre soir, je sens que ça devient plus important que j'y réfléchisse. Vous savez, je ne crois pas que ce soit une coïncidence si vous êtes venu au restaurant. Je ne le crois pas, donc... Maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous, que croyez-vous devoir faire? J'en sais rien, je suis... En fait, j'ai passé presque toute ma vie à me dire que Dieu était si loin de moi que je ne pouvais l'atteindre. Oh non, ma alors belle. Je... Le Seigneur n'est pas aussi loin que vous le croyez. Il est ici, en ce moment. Et il attend que vous lui parliez. La télé était encore pleine de parasites. J'ai essayé de taper dessus, maintenant elle marche plus du tout. T'as regardé sur le toit? Ouais. L'antenne est nickel, tu devrais peut-être appeler le réparateur. Ce serait bien qu'il passe demain voir ce qu'il peut faire. D'accord. Eh, tu sais, je suis allée voir Alfie la semaine dernière. Alfie, la superwoman qui a sauvé notre fille. Ah ouais. Alfie, donc, elle m'avait invitée à venir à son église et j'y suis allée. Ah ouais? J'aurais voulu être là pour voir ça. Ouais, bah j'en avais envie. S'il te plaît, arrête avec ces conneries. Je sais que t'étais secouée l'autre soir, mais... Ça t'intéresse ou t'écoutes par condescendance? Non, c'est pas de la condescendance.
Mais Allison va bien, chérie. Pas la peine de virer dingue. Je crois pas agir comme une dingue. Tu penses que je suis dingue? Le mot était mal choisi. Je ne pense pas que tu sois dingue. Je pense que tu es très enceinte. Un petit peu dingue. Que tu as peur. Et je comprends. T'es sûre? Parce que j'ai pas encore fini. Ok. Donc je suis allée à l'église. Et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais... j'ai ressenti quelque chose. Alors, j'y suis retournée ce soir. Et je sais que ça va être bizarre à entendre, parce que c'est bizarre à dire, mais... j'ai prié. Attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire, Leslie? Je suis en train de te dire que... j'ai parlé à Jésus et je lui ai dit, je l'ai prié, d'être auprès de moi dans cette vie. Tu quoi? Pourquoi tu... Hé, hey, écoute, s'il te plaît, chérie, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que cette bonne femme t'a raconté? Rien, c'est ma décision, la mienne. Je ne l'accepte pas. Tu n'as pas à l'accepter ou pas, je ne te demande pas ton avis. Je t'informe de ce qui s'est passé et tu ne m'écoutes pas. Écoute-moi, s'il te plaît, c'est moi en face de toi, c'est moi. Pour être honnête, c'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps, mais je ne pouvais pas te dire quoi que ce soit parce que tu es ce que tu es. Tu te fiches de moi, Leslie. Ça doit te faire un choc. Un choc? Oui, un choc, que tu sortes un truc pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que c'est une bonne chose pour moi, pour nous. Non, si, je te laisse pas dire ça. Tu oublies le nous. Et quoi que ce soit, soyons clairs, c'est pas nous que ça concerne. C'est toi toute seule. S'il te plaît, écoute-moi et te fâche pas. C'est ridicule. Et c'est ça le problème. Donc si tu es sérieuse, je me dis que c'est... Je suis, évidemment. Ok, alors je sais pas quoi te dire. Franchement, je sais pas. Il n'y a rien à dire. Ne dis rien. Contente-toi d'écouter ce que moi je te dis, parce que je suis en train de t'expliquer que je ressens quelque chose qui est peut-être plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti dans ma vie. Plus réel que tout ce que tu as jamais ressenti dans ta vie. Arrête, je suis pas en train de comparer. Je vois. Non, tu sais quoi? Je veux plus rien entendre, c'est bon, ça suffit. Lee, mais où est-ce que tu vas? Signaler une personne disparue. Ça, c'est pas drôle. C'est pas fait pour l'être. Je pense que je peux la rattraper avant que tout ça aille trop loin, mais je me souviens que vous avez connu le même genre de choses avec votre fille, avec Laurie, c'est ça? Ouais, c'est vrai. C'est une énigme. En temps de crise, les hommes sont en quête de sens. C'est dans notre nature. Tu as lu Bertrand Russell, je suppose? Oui, bien sûr. Enfin, pas depuis la fac, mais... je doute fort que Leslie accepte de lire ça en ce moment. Oui, ma fille ne voulait pas non plus. Mais j'ai continué à démolir l'illusion jusqu'à ce qu'elle revienne sur Terre. Et je dois te dire, Lee... le revirement a un prix. Que voulez-vous dire? Quoi que cela représente pour Leslie, ce n'est peut-être pas aussi terrible que tu le crois. Je veux dire, si ça lui apporte du réconfort. Es-tu certain de ne pas pouvoir tolérer sa lubie? Comment voulez-vous? Je veux pas perdre ma femme et mes enfants à cause d'une espèce de chose qui échappe à toute raison. Non, je ne pourrais même pas faire semblant de le tolérer. Et vous devez le comprendre mieux que n'importe qui. Oui, je le comprends. Et je sais que Leslie est une femme douée de raison. Donc, je pense que la raison est probablement la meilleure approche. Et comme toujours,
Elle émanera des faits et de la vérité. Donc, tu stimuleras sa raison en lui présentant des faits. Et je suis sûr qu'elle retrouvera le chemin de la vérité. Ma bibliothèque est à ta disposition. Prends ton temps. Je vous remercie, c'est gentil. Oh, une dernière chose, Lee. Je vais prier pour toi. C'est même pas drôle. Ken, je peux te demander un truc? T'es branché bondieuserie et toutes ces conneries. Wow, t'as l'art et la manière de séduire tes sources. Une bande de prédicateurs a mis le grappin sur Leslie. Et j'ai peur qu'elle rejoigne ta secte. Ma question est si quelqu'un voulait faire une enquête sur la religion chrétienne. Oh, c'est un sujet brûlant. Oh, tu sais, j'ai rien contre la polémique si l'enquête la suscite. Tu vas te mettre dans une situation inextricable. C'est-à-dire? Imagine que tu déboulonnes le christianisme. Comment Leslie pourra vivre avec celui qui aura détruit la chose qui donne un sens à sa vie? Non, attends, c'est moi qui dois donner un sens à ça. Et si Leslie a raison, et que tu prouves que ta théorie de science et de raison est fausse, comment vivras-tu avec toi-même? Je sais pas, mais je prends le risque. Ok. Tu es journaliste. Vérifie. Par où tu commencerais? À moins que tu veuilles faire 2 ans de séminaire, je dirais saute direct à la jugulaire. Toute la foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus. Si ça ne tient plus, le château de cartes s'effondre. Jésus est réduit au mieux à un rabbin incompris, au pire à un cinglé qui a été martyrisé. Pour un gars qui croit que je veux assassiner le christianisme, tu veux vraiment me donner ce flingue? Je suis certain que tu n'arriveras pas à appuyer sur la gâchette. Qui est la plus haute autorité en matière de résurrection? Docteur Gary Habermas. Il a débattu avec Anthony Flew. Ce gars-là est l'un de mes héros. Il est dans le Wisconsin, si tu veux le voir. Il y a un grand débat ce week-end. Le Wisconsin? Mm-hmm. Qui va encore dans le Wisconsin? Une montée de violence du volant, en particulier dans les secteurs de Wrigleyville, Lincoln Park et Englewood. Docteur Habermas, si les chrétiens veulent s'accrocher à leur croyance en un ami géant, cosmique et imaginaire, cela est bel et bon, mais n'essayez pas de dresser vos soi-disant méthodes historiques contre le tsunami que constituent les recherches universitaires. Vous allez vous noyer. Merci pour la mise en garde, Dr. Singer, mais vous n'êtes pas sans savoir que Gerd Lundmann, l'un de nos plus célèbres chercheurs athées et spécialistes des évangiles, pense que l'une des plus anciennes descriptions de la résurrection remonte à 3 ans après la crucifixion. Et c'est l'un de vos collègues, monsieur, pas le mien. Vous vouliez me parler, monsieur Strobel? Oui, j'ai lu votre livre et il y a quelque chose qui m'interpelle. Comment peut-on parler de preuves historiques à propos de la résurrection alors que la résurrection par nature est un miracle? Et on sait tous que les miracles ne peuvent pas être scientifiquement prouvés. Exact, mais on n'a pas à prouver le miracle pour prouver la résurrection. D'accord, j'aimerais que vous m'expliquiez ça. Il suffit de démontrer que Jésus est mort et qu'il a été vu après sa mort. Oui, mais les gens qui déclarent l'avoir vu sont des religieux zélés. Dans mon boulot, on appelle ça des sources partiales. Moi non plus, les sources partiales ne m'intéressent pas, monsieur Strobel. Je ne m'intéresse qu'aux faits, pour des raisons professionnelles et personnelles. Attendez, et où sont les faits, docteur Habermas? Le récit de la résurrection tient plus de la légende que de l'histoire. Ah oui? Pas selon les recherches historiques. Savez-vous que nous avons un rapport sur la résurrection avec des témoins oculaires identifiés qui datent d'à peine quelques mois après la résurrection elle-même? Cette source fait aussi état de 500 différentes personnes l'ayant vue au même moment. Il ne s'agit pas de décennies ou de siècles après la croix, monsieur Strobel. Il ne s'agit que de moi. Un café, ça vous tente? Oui. Je suis trop petite pour attraper le robinet. C'est quand que je serai plus grande? Plus vite que tu ne le crois. Ça va pas, maman? T'inquiète pas, ça va. C'est juste le petit beau qui nous dit bonjour. 500 témoignages, d'accord. Mais relatés par une seule source historique, la Bible. Faux. Il y a au moins 9 sources anciennes qui sont dans et en dehors de la Bible confirmant que les disciples et d'autres ont rencontré Jésus après la crucifixion. Mais ils étaient déjà tous disciples de Jésus. Pas tous, non. Pensez à Saul de Tarse, à
l'origine, il persécutait les chrétiens. Il les traquait et les tuait sans pitié. Il est mort en tant qu'apôtre Paul, en proclamant que Jésus était le Fils de Dieu. Mais enfin, soyons sérieux, des gens meurent pour des mensonges tout le temps. 900 personnes sont mortes en buvant du Kool-Aid empoisonné à Jonestown. C'est vrai, l'histoire fourmille d'exemples de ce type. Mais il y a une différence. Les gens ne voudront jamais avaler du poison pour quelque chose qu'ils savent être un mensonge. C'est pas faux. Si les premiers martyrs chrétiens savaient que la résurrection était un canular, pourquoi ont-ils accepté de mourir en son nom? Vous le feriez? J'aimerais revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit qu'il y a des raisons personnelles à votre quête. Quelles sont-elles? J'ai perdu ma femme, Debbie, d'un cancer. Je suis sincèrement désolé. C'est la chose la plus douloureuse qui me soit jamais arrivée. Pendant que je faisais mon deuil, j'ai dû me confronter à mes croyances. Elles m'ont donné un vrai réconfort, parce que je suis sûr qu'un beau jour je pourrai revoir ma femme. Et pardonnez-moi, mais en tant qu'homme dont le credo est de mettre en avant la valeur des faits, ne croyez-vous pas que cette sorte d'optimisme acharné affaiblit votre argument? Pas le moins du monde. Le fait que je subisse la loi de la gravité n'est pas la preuve de sa réalité. Tout comme mon dégoût des moustiques n'est pas un argument contre leur existence. Vous voyez, ce que je veux et ce que je ne veux pas n'a aucun impact sur la vérité. Ceci étant dit, si la résurrection du Christ signifie que je reverrai Debbie, je n'ai pas de problème à m'en féliciter. Parfois, la vérité nous rappelle à ce qui est vraiment important. Alfie, vous vous souvenez? Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Elle a perdu les os, elle n'a pas réussi à vous joindre. Alors elle m'a appelée et je l'ai conduite ici. Encore une fois, merci. Ça va aller, je prends la suite. Hey, Leslie. Lee. Ma chérie. Papa. Hey, ça va, ma crevette? Alors, c'est toi qui as aidé ta maman? Lee, où étais-tu? Je bossais. Je n'ai pas arrêté de te biper encore sais, et encore et encore. Je sais, ça y est, je suis là. Oh. Ça va? Mm-hmm. Ouais. Il est magnifique, ils sont en train de le nettoyer. Ouais. On était à la maison et les contractions ont commencé. Allison a eu peur. Mmh. Hein? On a prié et tout est allé beaucoup mieux. Mmh. Ok, c'est bien, chérie. Oh, chérie, viens, mon cœur. Oh. Oh, il a des poumons solides. Ouais. Voilà ton fils, Kyle Christopher. Oh. Oh. Salut. Et bienvenue en ce monde, mon chéri. Appeler tes parents pour leur dire. Les gens peuvent changer, tu sais. Non. Il y a un faire-part dans le journal. Ils sont capables de le lire comme tout le monde.
vache. Monsieur Marlowe, Lee Strobel, du Chicago Tribune. J'ai pas le temps, excusez-moi. Écoutez, vous avez refoulé tous mes appels au sujet de James X depuis plus d'une semaine. J'ai essayé d'interroger la police. Eux non plus ne veulent rien me dire. Pourquoi je ne peux avoir de déclaration de personne? C'est quoi le grand secret? Donnez-moi ça. Vous savez quoi? Vous devriez aller à la prison et voir mon client vous-même. Peut-être que vous réussirez à lui en faire dire plus qu'il ne m'en dit à moi. Monsieur X, je suis Lee Strobel. Je travaille au Chicago Tribune. Je voudrais vous parler de la fusillade. Je me suis dit que vous accepteriez peut-être de donner votre version des choses. Vous voyez? Ça pourrait peut-être vous aider. J'ai rien fait, moi. Très bien. Alors dites-moi pourquoi et comment ça a mal tourné. J'en sais rien. C'est flou. Joe est venu et m'est tombé dessus sans raison. Qui est Joe? Koblinski. Le flic. Koblinski. Il m'est tombé dessus. Alors, je me suis défendu comme n'importe qui l'aurait fait. On s'est battu un moment et là, il y a eu un coup de feu. Et qui a tiré? J'en sais rien, je vous l'ai dit, j'avais bu ce soir-là, je sais plus, c'est flou. Le rapport de scène de crime dit qu'ils ont trouvé un pistolet calibre 22 dans les buissons. Il y manquait une balle et vos empreintes ont été trouvées dessus. Koblinski avait un 38. Son arme n'avait pas tiré, en fait, elle n'était même pas sortie de son étui, donc... Si ce n'est pas vous qui avez tiré, qui l'a fait? Ma vieille m'avait foutu dehors ce soir-là. J'avais les nerfs, vous comprenez? J'ai tiré en l'air et sur la maison. Mais j'ai visé personne, j'ai fait de mal à personne. J'ai jeté mon flingue dans les buissons quand Koblinski s'est approché de moi. Bien sûr, il l'a jeté dans les buissons. Oui, je l'ai jeté dans les buissons. Monsieur X, êtes-vous toujours affilié aux Gangster Disciples? Vous savez quoi? On perd notre temps, là. Garde! Monsieur, comprenez que j'essaie de vous aider et rien de ce que vous m'avez dit ne va changer les preuves qui s'accumulent contre vous. Lesquelles, pour l'instant, sont pour le moins accablantes. Pourquoi vous voudriez m'aider? Vous me connaissez pas. Ok, écoutez, va falloir trouver de meilleures excuses que c'est flou et j'avais bu, si vous voulez remettre en cause ce rapport, monsieur X. Votre client est coupable comme le péché, vous le savez, je suppose. Ah oui? Marquez, Lee Strobel, merci de me recevoir. C'est normal, je vous en prie. Je dois vous dire, je suis un passionné d'histoire, moi aussi. Oh. Donc. Ouais, je suis particulièrement intrigué par votre travail archéologique. Ah, oh. C'est un temps révolu. C'est un temps révolu, ouais. Je suis un peu surpris, étant donné votre immense réputation, que vous ayez laissé tout tomber pour ceci. Pourriez-vous être un peu plus précis? Eh bien, il me semble que... Pendant ces deux derniers millénaires, le christianisme a créé ses rituels et ses règles. Les chrétiens ont érigé ces édifices, souvent extrêmement coûteux, ces cathédrales. Et tout ceci pour glorifier une foi qui, je pense, est finalement bâtie sur du vent. Et qui, pourtant, tient toujours debout. Oui, parce que les hommes continuent de se raconter la même histoire de génération en génération. C'est pas parce que j'écris quelque chose et que je le planque dans une grotte que cela en fait une vérité. Et je commence à comprendre l'objet de votre visite. Écoutez, je suis conscient qu'un grand nombre de personnes déclarent avoir
vu Jésus après sa crucifixion, et certains d'entre eux l'ont même écrit, mais la question que je me pose, c'est comment peut-on être sûr de la fiabilité de ces manuscrits? De la même manière que nous authentifions tout document historique, par comparaison et confrontation des copies qui en ont été découvertes. Cela s'appelle la critique textuelle. Plus nous avons de copies à comparer, mieux nous pouvons croiser les références et définir si ce que disait l'original est historiquement exact. Et plus les copies que l'on étudie sont anciennes, mieux c'est. Prenez l'Iliade d'Homère, par exemple. C'est authentique? Aussi authentique que la poussière macédonienne dont je l'ai débarrassée. Les Grecs ont considéré l'Iliade comme leur Bible pendant des siècles. Oui, effectivement. Ceci est l'une des 1565 copies découvertes à ce jour. Bien. L'Iliade a été composée à l'origine 800 ans avant le Christ. Ok. Ceci est une copie grecque datant exactement du 3e siècle. Alors, 800 et 300, donc, il y a 11 siècles qui séparent cette copie de l'original? Exact. Il n'y a qu'une seule collection ancienne de manuscrits qui a plus de copies authentifiées par les chercheurs que l'Iliade. Devinez ce que c'est. Vous allez me dire que c'est la Bible. Le Nouveau Testament. Et combien de copies y a-t-il? À ce jour, les archéologues ont découvert 5843 manuscrits grecs du Nouveau Testament. C'est 4 fois plus que pour l'Iliade. Ah oui. Les plus anciens fragments de l'évangile de Jean ont été trouvés en ancienne Égypte et ils datent du 2e siècle de notre ère. C'est-à-dire à combien d'années de l'original? Moins de 30 ans. J'ai l'un de ces fragments dans ma collection. Un inestimable trésor. Après le Nouveau Testament et l'Iliade, je dois dire que les suivants font pâle figure. Nous n'avons qu'une centaine de copies de Sophocle, 7 copies des tétralogies de Platon et seulement 5 copies de toute l'œuvre d'Aristote. En fait, si vous mettez l'une sur l'autre toutes les copies d'Aristote qui nous sont parvenues, cela ferait à peine un mètre. Si vous faites la même chose avec les copies du Nouveau Testament, la pile ferait 2 kilomètres de haut. Dans toute l'histoire humaine, il n'existe rien d'équivalent. Cela vous semble-t-il fiable? Mon père, je vous remercie beaucoup. Vous m'avez donné de nombreux sujets de réflexion. Tout le plaisir est pour moi. Waouh. Le Suaire de Turin, c'est une magnifique reproduction. Le vrai Saint-Suaire est à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, en Italie. Il y est tenu sous clé. Bien sûr. Personne n'a jamais prouvé que le Saint-Suaire est le véritable linceul funéraire du Christ. Mais chaque fois que quelqu'un le regarde dans les yeux pour la première fois, le Galiléen qui est mort sur la croix il y a 2 millénaires prend soudainement une réalité humaine. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il permis qu'on le tue si vraiment il est le Fils de Dieu? Pourquoi ne pas utiliser son pouvoir pour défendre sa vie? La réponse est ce qui m'a fait abandonner les fouilles et rejoindre l'Église. C'est extrêmement simple. L'amour. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. Vous dites que le Christ historique est identique à l'image sacrée qu'en donne la religion. Docteur Yamouchi, ne quittez pas, une seconde s'il vous plaît. Bonjour, Lee Strobel du Chicago Tribune. Comment allez-vous? Le docteur Ben Weatherton m'a dit qu'il vous avait prévenu de mon appel. Oui, non, je voulais seulement vérifier la validité de certains documents historiques si vous avez le temps. Oui, eh bien justement, j'avais quelques questions à vous poser à ce sujet.
Combien de fois faut-il lécher la sucette pour récupérer le bâtonnet? Le monde ne le saura peut-être jamais. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il est 3h du matin, chérie. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je fais des recherches pour un article. C'est sur quoi ton article? La bière allemande? Oh, le jugement. Je suis pas en train de te juger. Mais bien sûr. Je m'inquiète, chérie. Je te vois debout toutes les nuits où t'es dehors. Et j'ai l'impression que t'es plus ici avec moi. À qui la faute, tu crois, Leslie? Ok. T'as bu un coup de trop, t'es bourré, tu deviens con. Oh, c'est ma faute alors. Chérie, c'est pas moi celui qui a changé. C'est toi qui n'es plus la même. Je sais pas, je suis peut-être plus assez bien pour toi. T'avais peut-être besoin de te trouver un nouveau mec. Quoi? Ouais, tu m'as trompé avec ton Jésus. Ah, c'est très drôle. T'as sauté dans le ravin et là, t'es pas contente parce que je saute pas derrière toi. On va dire que j'ai rien entendu. D'accord? Ouais. Je vais remonter me coucher. Je dormirai sur le canapé. Très bien. Hé, j'ai pas signé pour ça, Leslie. Je veux retrouver ma femme. Bien dormi? Tu as fait de beaux rêves? Mm-hmm. Bien. Allez, j'y vais. À tout à l'heure, mon bébé. Mm-hmm. Strobel, il va être midi, te v'là enfin parmi nous. J'essaie de connaître le fond de cette histoire de fusillade, chef. Mm-hmm. En lisant Voltaire, je suis impatient de savoir quel rapport ça a. C'est pour autre chose. Quand l'article sera-t-il prêt? Très bientôt. Je vous le jure, il y a matière à une super histoire, je le sens. Et moi, je veux la sentir, là, ici. Oui, je le sais, et je vais faire de mon mieux pour que ça aille vite. D'accord? Oh, excusez-moi. Bureau des affaires judiciaires? Lee Strobel? C'est moi, ouais. Oui, c'est Bill Craig. Excusez-moi, qui ça? Bill Craig. Docteur Craig, c'est gentil de me rappeler. Je vous remercie beaucoup. Oui, pardon d'avoir mis du temps à vous répondre. Je vous appelle de Jérusalem. Je donne une conférence dans quelques minutes et je ne voulais pas vous faire attendre davantage. Je vais aller à l'essentiel. Voilà, je fais des recherches qui portent sur la résurrection de Jésus et je voulais vous soumettre une théorie. Peut-être que si la tombe était vide, c'est parce que le corps de Jésus n'y a jamais été déposé. On sait que les Romains avaient pour habitude de jeter les corps aux chiens après les crucifixions, exact? Nous n'en avons aucune preuve, mais il y a des rapports précis indiquant que ce n'est pas le cas de Jésus. Et que disent ces rapports? Les comptes rendus les plus anciens disent que le corps de Jésus a effectivement été placé dans une tombe, et les Romains autorisaient parfois l'enterrement de certains crucifiés. Mais il y a quelque chose qui, à mon sens, ne colle pas au sujet de soi-disant témoins oculaires, qui déclare avoir trouvé vide la tombe de Jésus. Quoi? Le fait qu'il n'y avait que des femmes? Oui, parce que on sait que, selon la tradition juive, les femmes étaient réputées pour être des témoins peu fiables, n'est-ce pas? Oh, c'est juste. Dans ce cas, pourquoi les quatre évangélistes disent tous que ce sont des femmes qui ont découvert la tombe? C'est justement ce que je vous demande. Si vous étiez un juif de cette époque, voulant monter un canular, je crois que vous ne diriez jamais que des femmes ont découvert la tombe. Ça vous décrédibiliserait, ça ne vous aiderait pas. Je ne sais pas, peut-être avons-nous affaire aux disciples les plus stupides du monde. Ou peut-être que les disciples ont rapporté ce qui s'est vraiment passé en se moquant des préjugés. Ok, d'accord, mais vous devez admettre qu'il y a une énorme faille dans tout ça. Une énorme faille. Le fait que les évangiles soient bourrés de contradictions au sujet de cette tombe. Moi, si je sortais une histoire qui soit aussi embrouillée, je serais viré du tribune. Si on lit bien les évangiles, commençons par Matthieu, d'accord? Matthieu place Marie-Madeleine et une autre Marie devant la tombe. Vous passez à Marc, il ajoute Salomé. Puis à Luc, qui lui ajoute Marie, mère de Jacques, et une certaine Joanna. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Il faut un sherpa si on veut trouver son chemin dans ce bazar. C'est vrai qu'il y a des différences, mais ça ne trouble pas la plupart des historiens. Pourquoi? Pourquoi ça ne les trouble pas? Ça me trouble, moi, ça devrait les troubler, non? Parce que le cœur de l'histoire est le même chez les quatre. Le corps de Jésus est placé dans la tombe. Elle est visitée le dimanche matin par un petit groupe de femmes, et elle découvre que le corps n'est plus là. Vous avez étudié le droit? Ouais, j'ai étudié le droit à Yale. Alors vous savez que lorsque les policiers vont interroger plusieurs témoins au sujet d'un crime, ils ne se soucient pas que les détails secondaires ne soient pas cohérents tant que le cœur de l'histoire est le même. En fait,
S'ils sont trop similaires, c'est suspect. C'est juste. C'est exactement la même chose concernant la tombe vide. Sa réalité s'appuie sur des preuves. N'est-ce pas des preuves que vous cherchez? C'est vrai. Oui, mais si la résurrection n'était que l'un de ces détails historiques incorrectement rapportés? Comment le savoir? Comment le saura-t-on jamais? Lee, puis-je vous poser une question? Vous cherchez vraiment à connaître la vérité ou votre opinion est déjà faite à propos de la réalité des faits? Écoutez, docteur. Je suis journaliste, alors c'est mon job de défier les suppositions et de trouver des preuves tangibles. C'est tout ce que je veux faire. Je vois, oui. Mais assez de preuves seront-elles assez de preuves? Il est si décourageant. Ou alors c'est que je ne suis pas à la hauteur. Je voudrais tant partager ça avec lui. Je voudrais tant me réjouir et je marche sur des œufs et j'ai peur qu'on se dispute. C'est probablement pareil pour lui. Peut-être qu'il marche sur des œufs lui aussi, donc lâchez un peu du lest. Mais plus j'essaie de l'atteindre, plus il semble s'éloigner. Comment arriviez-vous à l'atteindre auparavant? On se parlait tous les deux. On se parlait vraiment. Et on s'écoutait. S'écouter? Oh. Écoutez-le. C'est plus facile à dire qu'à faire. Arrestation. Koblinski. 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 Évidemment que je suis bête. Ça dit ici que X a déjà été arrêté 6 fois par l'agent Koblinski. À l'évidence, ces deux gars-là se connaissaient. En fait, quand j'ai interviewé X, il a dérapé, il a appelé Koblinski par son prénom. Et donc, quelle est ta théorie? Ma théorie est que X est un informateur de la brigade anti-gang, et Koblinski est son référent. Ce qui veut dire qu'un gangster a tiré sur son référent, et que pour je ne sais quelle raison, la police de Chicago veut étouffer l'affaire. La police protège ce gars. C'est un agresseur de flics. Je peux pas publier tant que t'as pas une source sûre à l'intérieur de la police. Quelqu'un qui confirme que X est un informateur. Va me falloir un petit coup de main. Un verre, une bouffe et c'est tout. Bah, on se contentera d'un verre. Tu me rapportes la note. Et ne claque pas la... Qu'est-ce que tu me veux, Strobel? C'est une affaire banale, c'est tout ce que je sais. Attends, t'es dans la brigade anti-gang et c'est tout ce que tu sais? Allez, quoi, donne-moi quelque chose. T'as le temps? Je t'invite à dîner. Tu veux un steak? Voilà ma théorie. Koblinski est dans ton équipe. Et X est ton informateur. Depuis que t'as dézingué un constructeur de bagnole, tu vois des conspirations arrête, à tous les coins de rue. S'il te plaît, Costa, tu sais que j'ai raison. Koblinski est un héros, d'accord? Et personne ne dira le contraire, mais son indique a voulu le buter, et tes chefs ne veulent pas que ça se sache. Ok, d'accord, que ce soit pas bon pour la brigade, pour tes chefs, pour les politiques, je comprends. Tu sais ce qui se dit? J'ai entendu dire que X va voir sa peine réduite au minimum ce coup-ci, et qu'ils vont le rebalancer dans la rue. Ils lui proposent de passer un accord pour qu'il la ferme, c'est vraiment ce que tu veux? Moi, tout ce dont j'ai besoin pour sortir l'histoire, c'est une source au sein de la brigade. Comme ça, tout le monde saura que X est un mouchard. Il sera condamné à une vraie peine. Et boum, toi et les hommes êtes libérés d'un fumier tueur de flics. Je ne te citerai pas, je ne donnerai pas ton nom. Tu n'apparaîtras nulle part, jamais. On va faire un truc. Si c'est vrai, si tu confirmes, tu me dis rien. Tu sors un peu de monnaie. Tu laisses un pourboire sur la table. Tu te lèves et tu t'en vas. Je saurai que je peux sortir mon histoire. Je vais faire encore mieux. Je vais payer la bouffe. C'était immangeable, de toute manière. T'es sûr de ce que tu racontes? Oui, tout à fait. Ok. Donne ça à la rédaction. Première page, édition du soir. Et une claque! Lee. Lee. Hey.
Je t'ai fait du café. Non, merci, ça va. Tais-toi, bois-le, ton café. Oh la vache. Je voulais te demander une faveur. Je vais emmener les enfants à l'église. Viens avec nous. Pourquoi je ferais ça? Parce que je te le demande, gentiment. Et parce que même si tu penses que j'ai perdu l'esprit, tu ferais n'importe quoi pour me faire plaisir. Je prends quand même mon carnet de notes. Au cas où je tombe sur un scandale ecclésiastique ou... je sais pas quoi. D'accord. Change-toi, grouille. T'as 15 minutes. Certains d'entre vous ont eu de mauvaises expériences avec l'église auparavant. Et je le comprends. Les églises ne sont pas parfaites. Les pasteurs ne sont pas parfaits. Moi, je ne le suis pas. Mais Dieu n'y est pour rien. Les fautifs sont les hommes. Dieu veut être notre Père. Il veut nous aimer jusqu'à ce que nous connaissions son paradis. Et c'est la simple vérité de notre foi. Dieu nous a créés. Nous faisons des erreurs, nombreuses. Le Christ a payé pour nos erreurs. Tout ce que nous avons à faire, c'est le recevoir. C'est réellement aussi simple que ça. Excusez-moi. Lee! Hey, je suis content de vous voir, Alfie. Je suis heureuse de vous voir, moi aussi. Vous avez amené le bébé? Oui, il pousse à toute allure. Hey, est-ce que je peux vous parler? Oui, bien sûr. Oui, je voulais vous dire que nous vous sommes reconnaissants pour ce que vous avez fait pour Allison. Et nous vous devons beaucoup. Et non, je ne dis pas ça à la légère. Mais aujourd'hui, tout ce cirque avec Leslie... ça doit s'arrêter. Je ne comprends pas ce que... Vous lui mettez des idées dans la tête. Vous l'attirez dans tout ce... ouais, ce cirque. Et je sais comment ça marche. Hein. Vous avez une sorte de mission, vous avez besoin de récolter des fonds pour propager la bonne nouvelle. Et tout ça, je veux juste que vous sachiez que vous allez devoir trouver quelqu'un d'autre à recruter. Lee, votre femme ne subit pas de lavage de cerveau. Elle cherche Dieu et je l'aide du mieux que je peux. Elle est vulnérable. Et vous profitez de sa fragilité. C'est ma femme. C'est notre vie. Et je ne veux plus vous voir vous emmener. Est-ce que je suis clair? Allez, c'est bon, on y va. Eh bien, allez, bientôt. Au revoir. On y va. Allison. Tu viens, ma chérie? Au revoir. Tenez, oh, le voilà. Bonjour, trésor. Non. Et... voilà, vous le tenez. Bébé. Bonjour, chérie. Oh, mon Dieu, regarde. Il est beau. C'est vrai. Oh, c'est un ange. Oui. Ah, il se fâche. Oh, trésor. Je suis désolée. Vous savez ce que c'est. Ça va être l'heure de dormir, alors. J'adore son prénom. Son deuxième prénom, c'est quoi? Christopher. Kyle Christopher. Vous n'avez pas mis John dans ses prénoms? Walt. Je trouve que Kyle Christopher, c'est magnifique. C'est bien, c'est vrai, mais John est dans la famille Strobel depuis des générations. Si, voilà, j'avais pas envie d'appeler mon fils John. C'est tout. Ton grand-père s'appelle John, ainsi que ton grand frère. Mm-hmm. C'est aussi un euphémisme pour toilette et client de prostituée. Lee. T'arrêtes? Désolé, n'en parlons plus. On se demande pourquoi vous venez alors que personne vous a invité. Je vais aller prendre l'air.
Leslie, j'ai été ravi de vous revoir. Merci d'être venu. C'était vraiment nécessaire, Lee. J'ai eu un bon professeur, maman. J'aimerais tellement que tous les deux vous réussissiez à vous comprendre. Tu sais, j'aimerais un tas de choses, moi aussi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Écoute, ce type s'est jamais soucié de moi toute ma vie. Et tout à coup, parce que j'ai des enfants, il veut qu'on soit les meilleurs potes du monde? Non, c'est trop tard. Excusez-moi, j'ai du boulot. Désolée, je sais que c'est difficile avec ton père. On sera jamais comme ces gens-là. Je vous le dis, Ray, j'ai tout vérifié. J'ai interrogé une douzaine d'historiens, des philosophes, des archéologues. Ils confirment tous l'existence de témoins visuels qui corroborent l'histoire. Et pas la moindre raison de mentir chez ces gens. En fait, ils auraient dû mentir. Beaucoup ont payé de leur vie leurs croyances. C'est en train de me rendre fou, cette histoire. Tous les matins, je me réveille et... Et tous les matins, je me dis, c'est peut-être aujourd'hui. C'est peut-être aujourd'hui qu'elle va retrouver la raison. Et rien ne change. C'est de pire en pire, en fait. Ce qui est inquiétant, c'est qu'elle est différente. Elle est devenue différente. Et j'avoue que ça me fait très peur. Et elle me manque tellement. Quel gâchis. J'aurais aimé pouvoir t'aider, Lee. Rappelle-toi une chose. Leslie sait parfaitement que tu n'approuves pas sa démarche. Mais elle est toujours ta femme. Et tu l'aimes de tout ton cœur. Ça aussi, elle doit le savoir. Montre-lui ton amour. Tôt. Je voulais profiter de ma tranquillité. Le petit est en train de dormir. Ça va? Ouais. Je me sens tellement reconnaissante. Pour toi. Pour nous. Aussi. Ça te tenterait qu'on sorte ce soir, qu'on se fasse un resto? On pourrait même aller danser, mais toi et moi, sans les enfants. Ça te paraît dingue? Ouais, un peu. Oui. Un petit peu. Ouais. D'accord, allons-y. C'est important qu'on s'occupe de nous. Toi et seulement toi. Ouais. Monsieur X, comprenez-vous bien les charges qui sont retenues contre vous? Oui, monsieur. Que plaidez-vous? Coupable, monsieur. Ce n'est pas la première fois que je vous vois dans ce tribunal, mon garçon. Je sais que vous pensiez sortir d'ici aujourd'hui avec un bracelet à la cheville, mais au vu des récentes informations qui sont sorties dans la presse,
les choses ne seront pas comme vous vous y attendiez. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous condamne à 15 années de détention incompressible à la prison d'État. Huissier, emmenez-le. Monsieur X ? Coupable ? On est tous coupables de quelque chose, mec, mais je suis pas coupable sur ce coup-là. D'accord, alors pourquoi ne pas avoir plaidé l'innocence ? Pourquoi la culpabilité ? C'est votre article ? Il m'a pas donné le choix ! J'avais le choix après votre article ? La salle d'audience était pleine d'officiers de police qui attendaient tous le verdict. Le Excusez-moi. Juge a prononcé la sentence, qui est de 15 ans de détention non compressible à la prison d'État. Dubois. Il a plaidé coupable, chef. Il a pris 15 ans. Je vois que t'as mis dans le mille avec ta théorie. Ouais. Je voudrais pas être à la place de X aujourd'hui. Le gars, il a à la fois tueur de flic et mouchard. Ça va pas être facile pour lui. Ouais. Je te mets l'article à la une. Ok, je reviens au journal. D'accord. Tu sais à quoi je pense depuis tout à l'heure. Tu me manques, Leslie. Mais je suis là. Ah oui. Si seulement je pouvais te faire comprendre ce que je vis en ce moment. D'être en voyage vers l'endroit le plus extraordinaire de l'univers et de ne pas pouvoir t'emmener. Je ne peux même pas. Je sais même pas comment t'en parler. Je suis désolée. Leslie, je comprends que tout ça te paraisse génial pour l'instant. Je veux dire, je suis allé à l'église, j'ai entendu la musique. Je comprends que t'aies envie que ce soit vrai. Mais si c'est un mensonge, t'aurais pas envie de le savoir avant de dédier ta vie entière à cette croyance? Si, bien sûr. Mais si c'est la vérité. Si c'est vrai, tout ça, t'aurais pas envie de le savoir. Il y a un verset qui dit « La foi est la preuve des choses qui nous sont cachées. » Toi, tu crois en ce que tu peux voir, et toucher, et sentir. Et cette vérité, je la ressens, je la connais. Tu ne peux pas. Pourtant, c'est une certitude. Je le sais comme je sais à quel point je t'aime. Oui, mais c'est différent, enfin, je suis réel. Regarde-moi, je suis une vraie personne, on se voit chaque jour, on est un couple. Chérie, je sais qu'on se dispute beaucoup et que... Ça n'a pas été tous les jours facile, mais... Je t'aime plus à présent. Que je ne t'ai jamais aimé. C'est basé sur quoi ? C'est basé sur quoi ? Je l'ai senti le jour où j'ai accepté Jésus. Depuis, mon amour pour toi n'a... Il n'a fait que grandir. Il n'a fait que s'approfondir. Si ce n'est pas la preuve de quelque chose, je sais pas ce que c'est, je non, sais pas... c'est la preuve de rien du tout. Leslie, c'est un sentiment, c'est pas une preuve. Mes sentiments sont aussi une expérience valide, c'est... Leslie, ils sont réels pour moi. Je n'aime pas... cette version de nous. Je n'aime pas ce que tu deviens. Et si je regarde devant nous, et si on doit encore avoir cette conversation dans 5 ans, ou même si on doit encore avoir cette conversation dans 2 ans. Je n'ai pas envie d'être là.
C'est clair, je ne veux pas. Je vais voir les enfants. Venez, on va s'asseoir ici une minute. D'accord, merci. Asseyez-vous. Alfie, je perds tout espoir. Je perds tout espoir pour Lee. Je perds tout espoir pour mon mariage. Calmez-vous. Allez, ça va s'arranger. Vous allez vous en sortir. Non, je sais pas quoi faire. Très bien, d'accord. Je sais que c'est assez effrayant. Je le sais bien, croyez-moi, je suis passée par là. Mais je vous promets ceci. À son heure et à sa manière, Dieu tient toujours ses promesses. Et qu'a-t-il promis à Ézéchiel ? Je te donnerai un nouveau cœur. Je mettrai un nouvel esprit en toi. J'ôterai de ta poitrine ton cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. C'est une vérité que vous connaissez déjà, je crois. Oui. Soyez certaine que ce sera la même chose pour lui. Soyez patiente. D'accord. Oh, venez dans mes bras, ça va aller. Vous verrez, Leslie. Je vous le promets. Je vous le promets. Je prierai. Je prierai pour vous deux. C'est pas parce qu'ils disent avoir vu Jésus que ça veut dire qu'ils l'ont vu. Excuse-moi, c'est à moi que tu parles ? Peut-être que les témoins de la résurrection ont eu une simple hallucination. Tu vois ce que je veux dire ? Ils pensent sincèrement avoir vu Jésus, mais leur esprit était sous contrôle. Le cerveau lavé, quoi. Rod ! T'as besoin d'un psy d'urgence. Quoi ? Tu crois que j'ai pété les plombs ? Oui, ça, c'est une autre histoire. Mais si tu envisages vraiment une psychose de masse au temps du Christ, il faut que tu vois un psychologue. Je te précède là-dessus. Rod ! Attendez, excusez-moi. Hé, il faut que tu me trouves un bon psy pour une interview. Vous voulez... Un psychologue, c'est ça. Un gars qui serait universitaire, très réputé, et qui connaît l'esprit humain mieux que Dieu lui-même. Pas de pression, gamin. N'écoute pas. Docteur Roberta Waters, présidente de l'Association américaine des psychanalystes, agnostique. Ah, agnostique, enfin. Et elle dirige le département de comportement humain à l'université de Purdue. Dans l'Indiana, super. Docteur Waters ? Oh, bonjour, monsieur Strobel. Bien que j'aurais été enchantée de soutenir un frère en scepticisme, ce que vous évoquez est tout à fait impossible. Comment pouvez-vous dire ça ? Je veux dire, si Charles Manson a pu transformer ses disciples en zombies meurtriers, les disciples du Christ ont pu être convaincus de la réalité de leurs hallucinations. Écoutez, les hallucinations sont comme les rêves. Elles ne se produisent pas que dans l'esprit d'un individu unique, elles ne se répandent pas comme un simple rhume. Mais on voit des hypnotiseurs capables de changer une scène pleine de courtiers en assurance en une basse-cour captante. Ce phénomène n'existe pas vraiment ? Si, bien sûr que si. Le pouvoir de la suggestion est parfois très profond. Mais c'est une chose d'hypnotiser quelques personnes et de leur faire pousser des cris d'animaux. C'en est une autre de convaincre 500 personnes d'avoir exactement le même rêve. Pour être honnête, ce serait un miracle encore plus grand que la résurrection elle-même. Et sans cette tombe vide, vous et moi n'aurions même pas cette conversation. Si Jésus avait guéri de ses blessures, ça résoudrait le problème. Ça n'aurait rien de surprenant que tous ces gens l'aient vu, non ? Effectivement, mais je crains que la question ne soit pas de mon ressort. C'est un docteur en médecine que vous devez voir. Ouais, bien sûr. Docteur Waters, encore merci de m'avoir reçu. C'était très aimable à vous. Avant que vous vous en alliez, puis-je vous poser une question ? Bien sûr. C'est au sujet de votre père. Simple curiosité, comment étaient vos relations avec lui ? C'était compliqué. Laissez-moi deviner. Distante, froide, pas ou peu d'affirmations ou d'expressions d'amour. Coupable sur toutes les charges. Pourquoi ? J'imagine qu'en tant que sceptique, vous devez connaître les grands noms historiques de l'athéisme. Hume, Nietzsche, Sartre, Freud. Évidemment, oui, ce sont mes plus grands héros.
Savez-vous que tous ces hommes avaient un père qui soit était mort quand ils étaient jeunes, soit les avait abandonnés, soit était violent physiquement ou émotionnellement? Dans le monde de la thérapie, on appelle ça une blessure paternelle. Non, je l'ignorais totalement. Cependant, avec tout le respect que je vous dois, Dr. Waters, je n'ai pas eu de père aimant, mais cela ne signifie pas que j'ai un problème avec ceux qui le sont. Si j'ai un problème, c'est avec un père fabriqué de toutes pièces. Si Dieu existait, je pourrais accepter qu'il m'aime. Seulement, je ne crois pas qu'il existe. Là-dessus, je ne peux que vous suivre. Malheureusement, ce n'est pas le cas de ma femme. Et les problèmes que cela engendre dans mon mariage sont, eux, très réels. Encore une fois, merci beaucoup. Je te donnerai un nouveau cœur et placerai un nouvel esprit en toi. J'ôterai de ta poitrine ton cœur de pierre et te donnerai un cœur de chair. Je te donnerai un nouveau cœur et placerai un nouvel esprit en toi. J'ôterai de ta poitrine ton cœur de pierre et te donnerai un cœur de chair. Monsieur Strobel ? Oui ? Vous avez de la visite. Hé, hey, agent Koblinski, comment allez-vous ? Hé, hey, ça va mieux. Bon, merci, Ron. Je suis seulement passé vous remercier pour l'article, pour avoir dit la vérité. Oh, eh bien, c'est mon job, et dans ce cas, ce fut un plaisir. Vous avez tout ce qu'il vous faut sur X ? Pour conclure tout ça, peut-être ? Oui, mon article est terminé. Vous en faites pas, il ne pourra plus tirer sur personne pendant les 15 prochaines années. Oui, j'ai encore la rate truffée de fragments de balles. Ouais, j'avais oublié. Ouais, c'est le risque quand on fait ce métier, non? Ouais. Merci encore, Strobel. Oui, soignez-vous bien. Je comprends pas pourquoi vous faites ça maintenant. X a déjà été condamné. Allez, faites-moi plaisir, Margot. Il y a un truc bizarre. Il a des fragments de balles dans la rate. Mais la blessure d'entrée est ici, plus haut. C'est comme si le canon de l'arme avait été pointé à l'intérieur de sa poche de chemise. Regardez, il y a des traces de brûlure de poudre ici. Bon, il y a quelques années, j'ai fait des recherches sur les armes dissimulées. Il y a des gens qui camouflent des armes à feu dans des briquets, des boucles de ceinture. C'est un stylo. Ça sert à écrire. Vous croyez ? C'est quoi ça ? Une douille usagée. Ça, Monsieur Marlowe, c'est une arme. Et c'est une arme stylo calibre 22. Regardez juste là. C'est ça qui a blessé Koblinski. C'est illégal pour un flic de porter une arme de ce genre pendant le service. C'est dingue que personne n'ait rien vu. Ils l'ont pas vu parce qu'ils l'ont pas cherché. Koblinski avait un secret. Il m'a joué la victime héroïque et j'ai marché. Ben, les flics aussi, y a pas que vous. C'est pas croyable. X est innocent. Il a été poursuivi sur de fausses déclarations, c'est surtout ça. Vous apportez ça au juge et vous le faites libérer.
Donnez, je vais... Je le prends. Vous foncez. Comment t'as pu passer à côté? Koblinski m'a trompé. Non. Tu t'es laissé tromper, monsieur Bessler, et t'as mis en péril l'intégrité de ce journal. Sans parler du mal que t'as fait à un homme innocent. Peu importe ce qui t'obsède ces derniers mois, il est temps de revenir à ton vrai boulot. Allez, va m'écrire un démenti. J'appelle en bas, je leur dis de retenir les presses. Qu'on ait le temps de recalibrer la une. Oui, monsieur. Après, je voudrais bien prendre quelques jours, si vous êtes d'accord. Je suis plus que d'accord. Passez-moi l'imprimerie. Leslie Strobel, ce jour est aussi sacré qu'une cérémonie de mariage. En prenant le chemin du baptême, tu proclames publiquement que tu es une disciple de Jésus. Crois-tu qu'il est notre sauveur et qu'il est mort pour nos péchés? Je le crois. Et est-ce ta volonté de rendre publique ta foi par le baptême aujourd'hui? Oui, ça l'est. Alors, c'est pour moi un honneur de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Où étais-tu? Dehors, j'étais sorti fêter ça, en solitaire. Ok. Puis je me suis rappelé que j'allais à Los Angeles demain et que je dois faire ma valise. Non. Los Angeles? Non. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? T'es parti. Qu'est-ce qui t'a pris? Je voulais pas interrompre les festivités du mariage. C'est quand même pas rien. Félicitations. C'est une métaphore. Tu sais ce que c'est, une métaphore? T'es un type cultivé, non? Hé, s'il te plaît, viens là, écoute-moi. C'était un jour important pour moi, et tu le savais. Je comprends pas comment t'as... On est deux, Leslie. Lee, je fais des efforts, là. Je sais que tu fais des efforts, Leslie. Derrière ta porte fermée, chaque jour, espérant et priant que t'arrives à convertir ton pauvre mari pour qu'il soit assez bon pour le Tout-Puissant. C'est ça que tu veux? Va-t'en. Sûrement pas. Tu vas dormir ailleurs. Je suis chez moi, je reste là. Non, je vais pas ailleurs. Je vais pas ailleurs. C'est ma maison. C'est ma famille. Allison, qu'est-ce que tu fais là? Tu montes dans ta chambre tout de suite! File! Allez, pars en Californie! Va-t'en! Toi et seulement toi, chérie, pas vrai? Toi et seulement toi. Qu'est-ce que tu trouves mieux? Je suis désolée, je ne voulais pas t'effrayer. Seigneur,
Donne à Lee un nouveau cœur. Place en lui un nouvel esprit. Ôte de sa poitrine son cœur de pierre et donne-lui un cœur de chair. Pardonnez-moi de vous avoir fait venir jusqu'ici, mais quand quelqu'un m'appelle et me dit qu'il veut remettre en cause l'événement le plus significatif de l'histoire humaine, je crois important d'en parler face à face, non? Oui, c'est vrai, je vous remercie de m'accorder un peu de temps. Bien, mon angle d'attaque est ceci. S'il y a eu autant de témoins qui ont pu voir Jésus après le Golgotha, c'est parce qu'il n'est pas mort sur la croix. Et s'il n'est pas mort sur la croix, il n'y a pas eu de résurrection, c'est ça? Oui. Donc, que ce soit Jésus par lui-même, ou avec l'aide d'un tiers, il a pu descendre de la croix, ou bien il a simulé sa mort, en fait, peu importe. Ça remet totalement en cause tous les aspects de la résurrection. La théorie de l'évanouissement. Oui, il s'est évanoui, il n'est pas mort. Ce n'est pas nouveau, une longue file de sceptiques ont soutenu cette hypothèse avant vous. Oui, ainsi qu'un milliard de musulmans partout dans le monde qui pensent aussi que Jésus a survécu à la croix. C'est ce qui est dit dans le Coran. Avec tout le respect que je dois à l'islam, le Coran a été écrit 6 siècles après le Christ. Je préfère me fier à des sources un peu plus proches des événements. Oui, je comprends, mais vous concédez que c'est possible. Monsieur Strobel, je suis docteur en médecine et scientifique. J'ai vu de très nombreux et très étranges phénomènes tout au long de ma vie. Mm-hmm. Mais la théorie de l'évanouissement, c'est de la foutaise. De la foutaise, est-ce une opinion médicale? En fait, oui. Ceux qui soutiennent cette théorie ont tendance à oublier le fait que Jésus avait été flagellé avant d'être crucifié. Vous savez ce qu'était la flagellation romaine? Oui, et la personne était fouettée avec un fouet? Non, pas fouettée. Rouée de coups et sauvagement écorchée vive. Vous voyez? Les lanières du fouet étaient renforcées par des boules de métal et de fragments d'os. La chair sur le dos de Jésus a dû être déchirée. Chacun de ses muscles, chacun de ses tendons était sanglant et à découvert. La flagellation, elle seule, a dû laisser Jésus dans un état critique suite à une hémorragie massive. Et c'est pourquoi il est tombé sous le poids de la croix que les Romains l'obligèrent à porter à travers la ville. D'accord. Et est-il possible que Jésus ait survécu au fait d'être cloué sur la croix? Ah oui, on peut y survivre, mais c'est un jeu d'enfant comparé à ce qui vient après la crucifixion. Lentement, on agonise et on meurt par asphyxie. Venez avec moi. Voyez-vous, le stress imposé aux muscles pectoraux empêchait les poumons de se gonfler. Il était dans cette position, d'accord? Donc, pour libérer la respiration, il a dû se dresser en prenant appui sur ses chevilles et ses poignets cloués, râpant son dos écorché sur le bois de la croix. Il s'effondrait et devait à nouveau se redresser pour chaque bouffée d'air. Il a été contraint de faire ça des heures et des heures et des heures durant, jusqu'à ce que l'épuisement rende l'effort impossible et là, inévitablement. Il meurt, en théorie, mais je vous rappelle que les soldats n'étaient pas docteurs. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'ils l'ont descendu de la croix en croyant qu'il était mort, alors qu'il ne l'était pas. Non, ce n'étaient pas des docteurs en médecine, c'était des tueurs professionnels avertis. Et je vous assure qu'ils excellaient à cette tâche parce qu'ils y étaient obligés. Si un prisonnier s'échappait en vie, ils étaient eux-mêmes exécutés. Monsieur Strobel, la crucifixion de Jésus est l'un des événements les plus attestés de l'Ancien Monde. Et si vous voulez enfoncer un dernier clou dans le cercueil de cette théorie inepte, le voici. Quand les soldats ont enfoncé une lance entre les côtes de Jésus, vous savez ce qui a coulé de la plaie? Du sang et de l'eau. Ce qui est, comme nous le savons, la description d'un épanchement péricardique ayant pour conséquence la mort par asphyxie. Ceci n'est pas une affection que l'on peut feindre. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est mon opinion médicale. Jésus-Christ est mort sur la croix. Excusez-moi, docteur. Excusez-moi un instant. D'accord, mais J'ai un vrai problème avec la plupart des experts avec qui j'ai parlé. Qui est? C'est que la plupart d'entre eux n'étaient pas impartiales et je ne crois pas faire erreur en disant que vous ne l'êtes pas non plus. Non, vous ne faites pas erreur, c'est juste. Ceci dit, j'ai constaté que les plus impartiaux des chercheurs qui entreprennent ce voyage le restent rarement. Cependant, je peux vous donner en référence la source la plus impartiale que je connaisse. Avez-vous foi en l'Association médicale américaine? Oui, bien sûr. C'est un journal scientifique qui fait autorité, je dois l'admettre.
La mort physique de Jésus. La solidité des preuves médicales et historiques indique sans conteste que Jésus était mort bien avant que la blessure aux côtes ne lui soit infligée. En conséquence, les interprétations basées sur la supposition que Jésus n'est pas mort sur la croix apparaissent en contradiction avec la médecine moderne et ses connaissances. Docteur, je dois vous avouer que vous ne m'avez pas dit ce que j'espérais entendre en venant. Lee ? Salut, c'est moi. Tout va bien ? Les enfants, ça va ? Ça va. Tu savais qu'il gardait ça sur lui? Oui. Ton père... Il était fier de toi et de tout ce que tu as accompli. Écoute, il ne savait pas très bien comment te le dire, mais il t'aimait, chérie. Il t'aimait de tout son cœur. Je vais camper et j'emporte une pomme, une banane et un chinchilla. Je vais camper et j'emporte une pomme, une banane,
Ça va, Kyle? Et le truc que t'as dit, un chinchilla. Un chinchilla. Chérie, attends. Affirme que X a été agressé par les membres d'un gang en raison de sa récente identification en tant qu'informateur de la police. Il y a fort à parier qu'ils n'ont pas fait de grands efforts pour protéger un homme condamné pour avoir tiré sur un policier. X a été immédiatement transféré à l'hôpital de la Miséricorde et serait dans un état grave. Le temps à Chicago. On attend de fortes rafales de vent sur le lac en début de soirée. Il est recommandé. De temps en temps, il est conscient. Mais il sombre la plupart du temps. Monsieur X. Monsieur X, c'est Lee Strobel. Je voulais vous dire que c'est ma faute. Je suis passé à côté de la vérité. Je vous demande pardon, je n'ai rien vu. Je me heurte à un mur de briques. J'ai lu tous les bouquins que vous m'avez donnés. J'ai passé au crible le moindre argument. J'ai suivi toutes les pistes. À un moment, tu sais, mon ami, tu vas devoir planter ta bannière sur la montagne des incertitudes, là où toutes les questions n'ont pas forcément de réponse. L'esprit humain n'atteindra jamais le fond abyssal des mystères du cosmos. Croire en Dieu, ne pas croire en Dieu, dans les deux cas, ça reste un acte de foi. Vous êtes en train de dire que même notre scepticisme, notre incroyance, sont et restent des actes de foi. Plus ou moins. Moi, je suis arrivé à mes propres conclusions. D'une manière ou d'une autre, tu vas devoir faire la même chose. Qu'est-ce que tu fais là ? Je croyais que tu étais banni. Hé. Qu'est-ce qu'il y a? Vous me gonflez, vous, votre Dieu. Vous êtes... Vos discours tournent en rond. Vous offrez juste assez de preuves pour qu'on vous écoute et jamais assez pour que ce soit sans appel. Vous remplissez tous les vides avec des... Eh bien, il suffit d'avoir la foi. C'est un ramassis de conneries. Tu es vraiment très agaçant. C'est... Ça va, ne me cherche pas, Kenny. Tu gaspilles des hectolitres de salive à te vanter partout, à nous dire quel grand journaliste tu es. Alors pourquoi tu ne veux pas le sortir ou le foutre au panier, ton sujet? Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas. C'est là que les Athéniens s'atteignirent, mon ami. Un de mes héros était C.S. Lewis. Ce mec, au début, il était sceptique, exactement comme toi. À la fin de sa vie, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, si le christianisme est un mensonge, ça n'a aucune importance. Mais si c'est une vérité, il n'existe rien de plus important dans tout l'univers. Tu veux retrouver ta femme? Tu sais quoi? En enfer, les damnés veulent de l'eau glacée. On obtient rarement tout ce qu'on veut. Arrête de m'accuser, moi, et l'Église, et Dieu, et fais ton job. Accumule les preuves, suis les faits, et écris ton histoire, que tu gagnes ou que tu perdes. Bonsoir. C'est
Seigneur, je t'en prie, adoucis le cœur de Lee. Place en lui un nouvel esprit. Ôte de sa poitrine son cœur de pierre et donne-lui un cœur de chair. La vérité se révèle au monde au travers des faits. Toute la foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus. Si ça ne tient plus, le château de cartes s'effondre. Il suffit de démontrer que Jésus est mort et qu'il a été vu après sa mort. Comment peut-on être sûr de la fiabilité de ces manuscrits? À ce jour, les archéologues ont découvert 5843 manuscrits grecs du Nouveau Testament. Dans toute l'histoire humaine, il n'existe rien d'équivalent. Avez-vous foi en l'association médicale américaine? Oui. Jésus-Christ est mort sur la croix. Vous ne me dites pas ce que j'espérais entendre. Mais si c'est la vérité, t'aurais pas envie de le savoir. Les comptes rendus les plus anciens disent que le corps de Jésus a effectivement été placé dans une tombe. N'est-ce pas des preuves que vous cherchez? La foi est la preuve des choses qui nous sont cachées. Lorsque les policiers vont interroger plusieurs témoins au sujet d'un crime, ils ne se soucient pas que les détails secondaires ne soient pas cohérents tant que le cœur de l'histoire est le même. Cette source fait aussi état de 500 personnes différentes l'ayant vu au même moment. Ce serait un miracle encore plus grand que la résurrection elle-même. Les disciples ont rapporté ce qui s'est réellement passé. Ces gens n'avaient aucune raison de mentir. Mais assez de preuves seront-elles assez de preuves? Je ressens quelque chose qui est peut-être plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti dans ma vie. Ceci n'est pas une affliction que l'on peut faire. Ça reste un acte de foi. Mais pourquoi a-t-il fait ça? C'est extrêmement simple. L'amour. Seigneur. Tu as gagné. Que je te parle. Est-ce que tu es sûr que ça va? J'avoue que j'ai pas été totalement honnête avec toi durant ces derniers mois, Leslie. C'est un début de conversation effrayant. Qu'est-ce que t'as... Non. Non, écoute-moi, s'il te plaît. Quand tu es devenue chrétienne, j'ai pété les plombs, tu comprends? J'étais mort de trouille. Et j'ai eu l'impression que je devais te sauver tout ça. Alors j'ai décidé d'enquêter pour te prouver que c'était qu'un énorme mensonge. Et voilà, c'est ce que j'ai fait durant tout ce temps. Des recherches? Ouais, je veux dire, regarde. Tout est là. C'est gigantesque. C'est pour ça que j'étais si distrait. C'est pour ça que je suis allé en Californie. Je voulais prouver que Dieu n'était qu'une escroquerie. Mais j'ai échoué. Les évidences qui soutiennent ta foi sont bien plus écrasantes que je ne l'aurais jamais imaginé. Il n'y avait pas que cette accumulation de preuves. Il y avait toi. Tu n'as jamais cessé de m'aimer. Tu ne m'as jamais abandonné. Et je pense que grâce à ça, Dieu non plus. Je ne crois pas non plus que Dieu t'ait abandonné, chérie, mais qu'est-ce que t'es en train de dire ?
J'arrive même pas à réaliser que c'est moi qui dis ces mots à haute voix. Maintenant, je crois. Laisse-moi te montrer quelque chose. Je vais te montrer. À la multitude qui le reçut, à ces hommes, il donna le droit de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui croyaient en son nom. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que croire plus recevoir égale devenir. Ok. Bon, et comment je dois le recevoir? C'est quoi le protocole pour ça? Non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. C'est toi seul. Tu parles à Dieu. Mm-hmm. Tu lui ouvres ton cœur. Et quoi, je dois faire ça maintenant? Je veux dire, je dois pas aller à l'église ou... Ici, maintenant. Ici est l'église. Ok. Allez, viens. Seigneur... Je n'ai aucune idée de ce que je fais là. Mais je ne peux pas ignorer l'évidence. Et je ne sais pas d'où, loin de là. Je sais que je ne saurai jamais tout. Mais j'en sais suffisamment. Assez pour croire. Je suis désolé pour ce que j'ai fait traverser à ma femme. Ce que j'ai fait traverser à ma famille. Mais je crois que tu existes. Je n'ai aucune idée de ce qui viendra ensuite. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais seulement que je le veux. Je le veux, Seigneur, je le veux. Je le veux, quelle que soit la suite. Alors... Voilà, allons-y. Amen. Amen. Merci. Voilà, moi aussi je suis fou. Je vais lui donner le pitch. Applique-toi. Tu vas voir. J'ai un pitch pour vous. Eh ben, il a pas duré longtemps. Une merde, ce truc. T'es au courant pour X? Il est sorti de l'hôpital. Et il retournera pas à Cook County, il est libre. Je sais, c'est une super nouvelle. C'est une plaisanterie, j'espère. Non, pas du tout. C'est une histoire que je raconte à la première personne. Une chronique moderne, vous voyez, une odyssée. L'épopée d'un homme, du scepticisme à la foi. Oublie ça, Ali. Je veux dire, tant mieux si t'as vu la Vierge, même. On peut pas publier un truc pareil. On perdrait toute crédibilité. Et toi aussi. J'aimerais vraiment que vous reconsidériez votre... Continue de faire ce que tu sais faire. Allez, va bosser, file, sors d'ici. Pas avant que vous m'ayez écouté jusqu'au bout. Papa. Hey, toi, comment tu vas? Bien. Ça va? Ouais. Alors? Dubois a dit non. Ah oui? Ouais. Regardez, j'ai réussi. Oh, désolée, chérie. Qu'est-ce que tu as réussi? Je peux enfin toucher le robinet.
Oh, mon Dieu. Je suis assez grande, maintenant. Oh, toi, ça y est, t'es une grande fille. Ah non, on fait plus ça, chérie. T'es trop grande, maintenant. T'es plus notre petite crevette. Non, je suis pas si grande, papa. Ah, si, moi, je trouve que tu es très grande. Et si t'en faisais un bouquin? Quoi? Au lieu d'écrire un article, ce serait bien un bouquin. Tu penses que c'est une bonne idée, toi? Oui. Oui? C'est une très bonne idée. I have seen heaven's doors open to me, and I have shook to the bones, and I have seen your face as I lay on the floor. See clearly, Lord, I believe.